Yeah. Plusieurs l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Que le Seigneur t'établisse au-dessus de tes ennemis dans le nom souverain de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Et sera mi more vo me lo sere. Et sera mi more vo je lo sere. Sera mi molevo javurame. Esura mi mora mi molo sevaro. Ojevara mi mora banasur meroxire. Ovra mi mora utari sura veloxera. On sera mi mora banasevaro. Esuru mi moram sei. Sarami moraba zagori, osoro mi moraba na lode laksiri. Sevaro mi nula galomelo, esarami moraba osoro mi zavaro. Ejevara mi mara kena siri, aksoro mi. Yesera mi morabana zovaro milo. El suru mi morai filo melo seri melo. Sura mi malo gelo, sura mi zagaro. E jevara mi maragena sera, el suru mi. Yesera mi morabana zoro mi maruk seri. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons cette vidéo au maximum. Nous allons prier contre les pactes maléfiques et je vous donne des orientations prophétiques pour tous ceux qui veulent la prophétie, qui veulent une parole de Dieu dans leur vie en cette fin d'année. Nous allons travailler ensemble là-dessus. Tout simplement, tu mets un message quand le temps sera arrivé. Je veux la prophétie et ensemble, nous allons voir ce que le Seigneur a comme orientation pour ta vie et pour ton année 2022. Je parle bien de ta vie, c'est-à-dire le restant de tes jours de pèlerinage sur la terre, et puis après cela, pour l'année 2022. Donc nous reçons en adoration en attendant que nos bien-aimés puissent être avec nous ce matin. Bizarami mamsuri, surami more budelo. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. À la mort, pense qu'un jour tu t'en iras et tu vas laisser la terre pour retourner vers ton père.
et tu quitteras. Simplement, tu indiques dans ton message, papa, je veux la prophétie, prophète, je veux la prophétie, tout simplement. Tu as besoin d'une orientation prophétique pour ta vie, pour l'année 2022, pour ta carrière, ta vie sentimentale, tes projets, etc. Laissez juste un commentaire, prophète, je veux la prophétie. Après mon exposé, on va revenir et je veux parler à chacun d'après les paroles que l'Esprit de Christ mettra dans ma bouche. Donc, partage la vidéo au maximum à tes amis, à tes connaissances, etc. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Pense à la mort, pense qu'un jour tu t'en iras. Un jour ce beau corps sera le repas. Et alors tu t'en iras vers le chemin de la terre. Et tu ne reviendras plus. Ce sera ton dernier voyage. Et tu seras là-bas, devant le tribunal de Christ. Et tu devras répondre de ta vie sur la terre. Ton mari ne sera pas là, et ta femme ne sera plus. Tes voitures, tes belles maisons, oh, 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 tout sera passé. Mais Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il va revenir. Nous bénissons le Seigneur dans le nom précieux souverain de Jésus. Et je voudrais avertir tous ceux qui sont connectés ce matin. Si quelqu'un vous envoie une invitation au nom du prophète Ferdinand Ekane, vous demande de l'argent. Déjà, je n'envoie pas les invitations aux gens. Passez l'annonce autour de vous. Avertissez, 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 avertissez vos connaissances, vos amis, vos frères, vos familles. Toute personne qui vous contacte au nom du prophète Ferdinand Ekane et qui demande des offrandes, ce n'est pas moi. Quiconque vous demande l'argent, les miracles qui accompagnent ceux qui sont dans les faux profils, c'est qu'ils vous demanderont de l'argent à la fin. Demandons pas d'argent, nous ne vendons pas d'huile de faveur ni rien d'autre sur Facebook. Il faut comprendre cela. Nous ne demandons aucune contribution sur Facebook. Donc méfiez-vous des arnaqueurs qui prennent mon nom sur Facebook pour demander de l'argent aux gens. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Si quelqu'un vous envoie une demande d'amitié en direct sur Facebook, c'est pas moi, au nom du prophète Kane Ferdinand. Ou si quelqu'un vous contacte sur Messenger, en inbox, pour vous dire qu'il a une prophétie dans votre vie, il veut vous dire quelque chose dans votre vie, c'est pas moi. Je ne fais pas ça. Donc il faut savoir que ce sont des personnes qui veulent vous arnaquer. Quiconque vous demande de l'argent en direct sur Facebook, c'est pas moi. Donc, quelle que soit la vraisemblance de la personne de la page, sachez que ce n'est pas le prophète Ferdinand Kane. Donc, il faut dire que ce vendredi, pour les habitants de Yaoundé et ses environs, nous avons atmosphère de miracle. C'est un moment extraordinaire, intense. Bien-aimés, heureux ceux qui seront à la bière ce vendredi. Ne laisse pas ta famille à la maison ni tes enfants. Nous sommes en fin d'année. J'ai dit que toutes mes sorties publiques sont stratégiques. Je me retire dans la présence de Dieu. Je prie. Je cherche la face de Dieu pour toi, pour devenir efficace et te rendre efficace dans ta génération, au milieu des enfants de ton père et de ta mère. Donc, ce vendredi, atmosphère de miracle.
à la Bire, à Yaoundé. Et Dieu va se manifester avec puissance du côté de Nkouaban pour ceux qui ne le savent pas. Et dimanche 7h30, nous avons un grand culte. Un grand culte avec lavement des mains et de la face devant le Seigneur. Je veux prier sur l'eau et toute l'assistance, tous ceux qui seront là. Pourquoi? J'ai expliqué que les mains, c'est le travail, le fruit du travail. Il y a beaucoup de gens dont les mains ont été maudites. Lorsqu'un sorcier veut que tu souffres dans ta vie, que tu travailles comme un éléphant et que tu moissonnes comme une fourmi, alors il va maudire l'œuvre de ton travail. Ce sont tes mains. Les mains représentent l'ouvrage de la vie de chacun d'entre nous. Donc, lavant les mains, nous lavons toute malédiction, toute imprécation, toute pratique de sorcellerie, toute proclamation imprécationnelle contre nos vies. Il y a des gens qui, toute leur vie, travaillent mais n'ont pas de salaire. Et même quand le salaire arrive, il tombe dans des citernes crevassées. Ça veut dire comme quelqu'un qui puise de l'eau, mais dans des paniers. Il y a des gens qui sont fatigués de se battre dans la vie. C'est pas que c'est des médiocres ou bien que c'est des paresseux ou des personnes lambinantes. Non, c'est des personnes entreprenantes, mais cependant, leur travail a été maudit. Donc, on va laver les mains devant l'Éternel. C'est une action prophétique en cette fin d'année qui va te libérer de toute chaîne qui a enchaîné ta main. La Bible dit, dis que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Donc ce dimanche à 7h30 à Yaoundé, il y aura ce service et on va aussi laver la face. Et j'ai expliqué que la face représente la destinée d'une personne. Voilà pourquoi dans la Bible dira que Dieu dira à Adam, et c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras le pain. Vous voyez donc, le visage, c'est le symbole de toute une vie, de toute une destinée, de ton avenir, etc. Donc nous allons prier ensemble et Dieu le fera. Je vais le faire. Et ce matin et le soir, à partir de 16h en Bomo, nous serons là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la gloire de Dieu se révélera. La main de Dieu se manifestera avec autorité et avec puissance. Donc tous les habitants de Bertois, passez l'annonce autour de vous, nous aurons notre culte des plaintes à l'Éternel. L'huile de faveur sera là. Chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur neuve pour ce grand culte de délivrance et de restauration. Et nous aurons service d'eau ointe. Et dans tous les cas, chacun se prépare avec sa dernière offrande familiale là-bas à Bertois pour nous présenter devant l'Éternel. Donc il y aura cette prière contre les puissances du mal, les envoûtements, etc., etc. Vous savez que je vais parler des pactes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans les pactes maléfiques, sataniques, mais ne le savent pas. Je vais vous donner mon exemple personnel. Je vais te parler de quelque chose peut-être que je n'ai jamais parlé en public concernant les pactes. Les pactes sataniques, je veux partager cette expérience, mon expérience, le pacte que j'avais eu avec le diable. Je vais te partager ça ce matin. Donc, partage cette vidéo au maximum. Rassure-toi que toute personne que tu aimes soit connectée et avertis cette personne que pardon, ce direct est pour ta délivrance, pour ta restauration et ton positionnement et ton repositionnement spirituel. Donc, s'il te plaît, si tu aimes ta vie, connecte-toi. Ouais, connecte-toi. Donc, à Beaumont, à Bertois, sur la route de Bélabo, les bus seront disponibles ce dimanche 19. Dans tous les points de ramassage habituels de la ville de Bertois, on va vous prendre gratuitement, vous amener pour ceux qui n'ont pas le transport. Mais toi qui as ta bénédiction, qui as les moyens, la possibilité, prends ta voiture ou bien ton taxi et viens. Le Seigneur te bénira. Donc, ça sera à partir de 16h. Et il faut savoir qu'en cette fin d'année, voici les programmes que nous aurons, des programmes spéciaux. Nous avons l'opération Bye Bye 2021. Opération Bye Bye 2021. Sous le thème « Vaincre les liens familiaux du célibat et de la pauvreté ». Donc, ça veut dire que tous ceux qui souffrent de célibat dans leur famille, je leur donne rendez-vous. Tous ceux qui n'arrivent pas à briller, les étoiles n'arrivent pas à exploser dans vos familles, je leur donne rendez-vous dans l'opération « Bye Bye 2021 ». La Bible dit dans Joël 2, 25, « Je restituerai les années qu'on dévorait le Gazam, le Asile, le Djelek, la Sauterelle. » Ça veut dire que Dieu peut restituer les années que tu as perdues, que le diable t'a volé, que le célibat t'a volé, que la pauvreté t'a volé, que l'échec t'a volé, que le chômage t'a volé, etc., etc. Donc le Seigneur le fera. Ou bien les années qu'un mauvais mariage t'a volé. Donc s'il y a quelqu'un qui a un seul célibataire dans sa famille, il est invité. Il y a quelqu'un qui a une seule personne qui souffre des problèmes, soit de foyer, soit de célibat, ou de pauvreté, ou bien d'élévation. Les gens n'arrivent pas à briller dans ta famille, dans le plan de la carrière, sur le plan professionnel, le plan des affaires, le plan du commerce, etc., etc., etc. Sur le plan étudiantin, tu te rends compte que les gens n'avancent pas. Ce programme est pour toi. Donc, les habitants de Douala, nous aurons deux jours, le 22 et le 23 décembre, tous les soirs à partir de 16h. Vaincre les liens familiaux du célibat et de la pauvreté. Opération Bye Bye 2021, Douala. Donc nous venons dire bye bye à l'année 2021 et surtout rappeler à 2021 qu'il n'a pas le droit de partir avec une seule de nos bénédictions. Donc s'il y a un miracle que tu devais recevoir cette année, mon ami, il ne se fait pas tard. Dieu te donnera ce miracle avant que cette année ne finisse. Donc si c'est le mariage, mon ami,
et que Dieu avait prévu que tu dois te marier en 2021. Non, tu vas te marier en 2021. Si tu ne te maries pas en 2021, c'est ce qu'on va voir le 32 décembre pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, tant que cette année ne nous a pas remis, remboursé toutes les dettes qu'elle nous doit, l'année ci ne finira pas. Donc, c'est ça l'opération. Bye bye 2021. Venons dire au revoir à cette année et de la plus belle façon. Et il y aura des guérisons. S'il y a une maladie qui est en toi, tu ne veux pas entrer avec cette situation, cette position dans l'année qui arrive. Donc, tu es mon invité le 22 et le 23 décembre à partir de 17h tous les soirs à Douala, à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé. Donc, nous avons l'opération Bye Bye 2021 Yaoundé. Et ce sera le 28 et le 29 décembre, tous les soirs à partir de 17h. Donc, il faut dire que ce sera des programmes extraordinaires de prière, de délivrance, de restauration et surtout où nous allons retrouver ce que le diable nous a volé tout au long de cette année. Si tu as reçu une maladie en cette année, cette maladie doit retourner où elle est venue. S'il y a une situation dans ta vie qui te rend malheureux, qui te rend triste, nous allons arranger ce problème. Donc, ne manque pas l'opération Bye Bye 2021. Ce sera un programme d'envergure. Passez l'annonce autour de vous, Douala, le 22 et le 23 décembre, tous les soirs à partir de 16h, et Yaoundé le 28 et le 29 décembre, tous les soirs à partir de 17h. Alors, le 30 décembre, nous aurons les Joseph d'Arimathée et les bienfaiteurs. Joseph d'Arimathée et les bienfaiteurs du côté de Yaoundé. Et mardi le 21, nous aurons la conférence des bienfaiteurs à Douala et de Joseph d'Arimathée aussi. Et chacun viendra recevoir de ma main un fruit. Donc ce sera le fruit de la prospérité pour l'année 2022. Tous les bienfaiteurs en auront droit et tous les Joseph d'Arimathée en auront aussi droit. Donc c'est un acte prophétique fort parce que la Bible dit que le juste vivra et qu'il jouira du fruit de son travail. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Dis Amen et c'est scellé. S'il te plaît, dis Amen. Donne-moi un Amen puissant. Maintenant, nous parlons des pactes. Avant d'entrer dans la part de la prophétie, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Nous parlons des pactes. Je parle des pactes et alliances sataniques. Vous savez, bien-aimés, la plupart d'entre nous, lorsque nous observons nos familles, nous entendrons parfois des gens dire, ou bien nous-mêmes, nous avons eu à dire, ou bien nous le remarquons dans nos vies, personne ne se marie dans ma famille. Vous voyez, personne. Voilà, merci pour ceux qui sont à Bertois. Point de ramassage, voilà, dans la ville de Bertois. On a le carrefour Manjou, on a le carrefour Cathédrale, on a le carrefour Point Plus. Et on a le carrefour Terrestre. Merci beaucoup à Olivier Mati. Donc voilà les points de ramassage à Bertois, carrefour Manjou, carrefour Cathédrale, carrefour Point Plus et carrefour Terrestre. Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais qu'il y a des familles où personne ne s'est jamais marié. Mon ami, est-ce que l'année, tu dois finir avec la même situation dans ta vie? Je te pose une question, hein, sois sérieux. Est-ce que tu veux revivre la même chose? Est-ce que tu veux que les situations, les événements de ta famille demeurent les mêmes en 2022? Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Et je suis là pour te conscientiser. Pour que tu comprennes que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer, bien-aimé. Donc, est-ce que, regarde ta famille, aucune femme n'est mariée. Et même ceux qui sont mariés ne sont pas heureux. Aucun homme n'est marié. Tu regardes toute ta famille, tout le monde est ivrogne. Les gens ont touché l'argent, mais n'ont rien fait. Ce sont des malédictions. Et les gens se posent la question, oh, c'est la sorcellerie. Oui, ça peut être la sorcellerie. Mais pas toujours la sorcellerie. Il y a une cause que parfois nous négligeons. Cette cause, c'est quoi? Les pactes et les alliances sataniques. Et je vais te montrer ça. Tu vas comprendre qu'en fait, avant que les sorciers ne commencent à bloquer ta famille, quelque part, tes parents ont contribué au malheur dans ta famille, que les gens ne réussissent pas, que personne ne puisse marquer sa génération dans ta famille. On ne voit pas un grand nom. Il n'y a pas une seule femme qui a fait la démarcation et la différence. Mais il faut que tu fasses la différence. Et je sais que tu vas faire la différence. Si tu dis « Amen, Dieu fait de toi la différence dans ta famille ». Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, Dieu fait de toi la différence. Tu feras la différence. Si tu es connecté à ce direct, je te dis la vérité. Quelles que soient les chaînes, la grosseur des chaînes que le diable avait utilisées pour enchaîner ta vie, tu es libre au nom précieux de Jésus-Christ, tu es délivré. 2022 sera une année de grâce, une année de bénédiction, d'élévation pour ta vie. Mais il faut que tu comprennes ce qui se passe en réalité. Donc avant que les sorciers ne commencent à agir dans une famille, il faut comprendre que la famille, elle-même à 70%, le plus souvent est responsable de ces malédictions, de ces problèmes. Donc, et ce problème se trouve au niveau des pactes et des alliances sataniques. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter ce matin et qui disent « Non, moi je n'ai jamais fait de pacte avec le diable, je n'ai jamais fait d'alliance satanique. » Tu vas te rendre compte qu'en vérité, tu en as fait.
consciemment ou inconsciemment, et tu comprendras l'importance. Donc, personne n'a jamais été riche dans ma famille. Il faut se poser cette question. Moi, par exemple, dans ma famille, il y a de cela encore quelques années, personne n'avait aucune voiture. C'est-à-dire, personne n'avait jamais acheté une voiture dans la famille. Peut-être ta famille aussi, c'est le même, la même histoire. Et personne n'avait jamais construit une maison dans ma famille. Vous imaginez. Donc, et quand j'ai réfléchi à ces choses-là profondément, avant d'accuser les sorciers, j'ai fait d'abord un examen de conscience personnelle et familiale. Bien aimé, je me suis rendu compte que nous sommes à l'origine de nos malheurs, sans le savoir. Et ce matin, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir. Alors, j'ai dit que je veux partager d'abord mon pacte avec Satan. J'ai eu à faire un pacte avec Satan, vous comprenez. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne me sauve, j'étais dans un pacte avec le diable. Mais je ne le savais pas, vous voyez. J'avais fait un pacte avec Satan, mais je ne le savais pas. Vous savez qu'à l'époque, je pratiquais les arts martiaux. Donc, j'ai pratiqué le ninjutsu, j'ai pratiqué le kung fu, et dans le kung fu, j'ai pratiqué le Shaolin traditionnel, j'ai pratiqué le Tang Lang Pei. Donc, ce sont les branches du kung fu. Et le ninjutsu et le wushu, un peu de wushu, vous voyez. Et j'ai aussi fait un peu de boxe et un peu de karaté. Donc, ça veut dire que dans les arts martiaux, j'étais un peu avancé. Il faut le dire, j'étais avancé. Donc ça fait qu'à un certain niveau, dans la pratique du ninjutsu, j'avais les étoiles, j'avais les épées, j'avais les étoiles et j'avais les tenues des ninjas. Voilà. Et donc, on était un petit groupuscule, un groupuscule de jeunes hommes là-bas au nord et nous pratiquions cet art martial. Et donc, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, quelque chose s'est passé. Quand je suis arrivé, mon papa spirituel m'a expliqué que s'il faut que j'en finisse avec le diable et que le diable ne poursuive plus ma vie, il faut que je fasse ce qu'on appelle la restitution. Et je veux parler de ça, vous allez voir. L'important de la restitution dans le brisement des pactes sataniques. Et donc, dans la restitution, il était demandé que je confesse, d'abord je renonce aux arts martiaux et que je brûle toutes ces tenues de ninjutsu. Donc, parlant des ninjas, pour ceux qui connaissent les ninjas ou bien le ninjutsu, les arts martiaux, qui ont une idée des arts martiaux. Donc, il fallait donc que je brûle la tenue des ninjas, c'est le kimono des ninjas. Il fallait que je brûle les épées que j'avais, les étoiles. Parce que vous savez, dans ninjutsu, on vous apprend à lancer les étoiles. Donc, comme ça, bam! Et puis, on peut tuer quelqu'un avec une étoile. Donc, toutes ces choses, donc, je les ai ramassées. Et mon pasteur a amené ça à l'église et on a brûlé ça à l'église. Quand on a brûlé à l'église, deux événements se sont produits. Parce qu'on a gardé ça à l'église, ça fait peut-être une semaine ou deux semaines. Il y a un frère à l'église qui a volé le haut que j'utilisais pour le ninjutsu. Pour là, cet art martial. Il a volé ce haut, il s'est mis à porter ce haut-là, et il est devenu fou. Ça, ma mère est en train d'écouter, et les bien-aimés de la vraie église de Dieu de Ngaoundal peuvent témoigner. On était dans les années 1995, comme ça. Il est devenu fou. Et le lendemain, après qu'on ait brûlé ces vêtements-là, j'étais couché, moi j'étais nouveau converti. Je n'avais même pas un mois dans la foi à l'époque. J'étais couché par terre. Et j'ai vu quelqu'un apparaître dans le salon où j'étais couché, avec une table, une grande table devant lui, avec des calebasses. Et cet homme, cet être, parce qu'on ne voyait pas son visage, il était comme une ombre noire. Et il avait les vêtements de ninjutsu que j'avais brûlés, qu'on avait brûlés à l'église. Et il avait des rastas sur la tête. Et il m'a demandé ceci. Il m'a dit ceci. Si tu ne voulais plus me servir, mais il fallait me remettre mes affaires, pourquoi les avoir déclarés dévoués pas interdits? Pourquoi les avoir brûlés? Pourquoi est-ce que tu t'es séparé de moi? Pourquoi tu t'es séparé de moi? Vous voyez. Et moi, sincèrement, mais il disait mes choses. Il revendiquait ces choses. Il était en colère contre moi. Mais c'est moi qui avais acheté ces vêtements. Mais je ne savais pas qu'en pratiquant cet art martial, j'avais noué une alliance avec un démon, avec le diable lui-même. Je ne le savais pas. Donc, c'est là que je me rends compte que j'étais allé dans une alliance maléfique, dans un pacte diabolique, sans le savoir par la pratique du ninjutsu. Et puis, il a commencé à prendre cet être-là, lugubre, a commencé à prendre des affaires sur sa table et allait lancer sur moi. Il les lançait sur moi. Et moi, j'esquivais, je ne savais même pas qu'on disait au nom de Jésus à l'époque. C'est par hasard que j'ai dit Jésus, et il y a eu comme un tonnerre dans le salon qui a frappé la table et a frappé cet être-là. Et puis, il y a eu une fumée et ils ont disparu. Voilà la première rencontre de délivrance en tant que nouveau converti que j'ai eu avec le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce temps-là. Donc, on peut contracter des alliances sataniques et diaboliques sans le savoir. Et vous allez voir que dans votre famille, certainement vous-même, vous en êtes à l'origine. Maintenant, il faut savoir que quand on parle des pactes ou des alliances sataniques,
Il y a deux catégories. On a deux catégories. On a deux catégories. On a les pactes sataniques hérités et on a les pactes ou les alliances contractées personnellement. Donc il y a des pactes sataniques qu'on a hérités de nos parents. Parce que tu es né dans ta famille, tu as trouvé que tes parents étaient sous ce pacte-là, sous cette alliance satanique. Et alors automatiquement, toi-même, tu te retrouves dedans. Voilà pourquoi parfois tu peux retrouver dans ta famille que ta grand-mère n'était pas mariée, ton grand-père n'était pas marié. Ta mère n'était pas mariée, ton père n'était pas marié, et ils ont eu des enfants. Toi aussi, aujourd'hui, tu n'es pas marié, tu as des enfants. Tes enfants ne sont pas mariés, et ils ont des enfants. C'est un exemple. Donc, que chacun examine sa vie pour regarder quel est le pacte maléfique, quelle est l'alliance satanique qui agit dans ma famille. Ou alors, vous pouvez voir que dans votre famille, c'est plutôt l'ivrognerie de génération en génération. Ton grand-père était ivrogne, ton père était ivrogne, ta mère était ivrogne, toi-même tu es ivrogne, etc. C'est-à-dire, quand on parle de l'ivrognerie, ça peut englober la boisson, les boissons alcoolisées, ça peut être la drogue, le chanvre indien, ou je ne sais pas trop, et toute autre drogue, toute autre forme de drogue. Ou alors, ça peut être que ton grand-père, ton arrière-grand-père est mort d'une maladie. Ta grand-mère est morte de la même maladie que ton grand-père, ton père est mort de la même maladie, ta mère souffre de la même maladie, tu as les symptômes de la même maladie et tes enfants, cette même maladie ira vers eux aussi. Donc c'est ça qu'on appelle les hôtels maléfiques. Or les hôtels maléfiques ou les hôtels diaboliques sont issus des pactes maléfiques ou des pactes diaboliques ou bien des alliances sataniques. C'est donc quoi une alliance satanique? On a dit qu'il y a des alliances héritées. C'est-à-dire que parce que tu appartiens à cette famille, tu te trouves victime d'une alliance ou d'un pacte satanique parce que tu es membre de la famille, là, parce que ton père, c'est-à-dire la maison de ton père, la lignée généalogique de ton père est influencée par cette malédiction. Et c'est ça, on a l'exemple d'Adam et Ève. Quand vous regardez dans la Bible dit que Adam et Ève, à cause de leur péché, comme ils ont péché, tous leurs enfants, et ils ont été séparés de Dieu, tous les enfants qui sont nés d'eux ont été séparés de Dieu aussi. Voilà pourquoi on parle du péché adamique aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu parce que Adam et Ève ont péché. Et il y a eu donc une alliance satanique entre eux et le diable. Et vous voyez qu'en fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que Adam et Ève ont contracté une alliance avec Satan, un pacte avec le diable, en causant avec le diable, en acceptant ce que le diable leur avait proposé. Nous, on n'y était pour rien, on n'était même pas encore nés. Mais à cause de ce pacte qu'ils ont eu avec le diable en mangeant le fruit défendu, alors, par héritage, nous sommes héritiers, parce que nous sommes leurs descendants de ce pacte maléfique qui nous influence aujourd'hui. En sorte que tout homme qui naît est séparé de Dieu d'office. Il faut que cette personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour être réconcilié avec Dieu, pour voir le pacte que Adam et Ève ont eu avec le diable être brisé dans sa vie. Voilà jusqu'où c'est sérieux. Voilà combien cette affaire-ci est sérieuse. Donc, il y a des familles où nos parents ont consulté des marabouts, ont fait des choses, ont fait des sacrifices, ont égorgé des bœufs, égorgé des moutons, égorgé des coqs, etc. dans leur famille, chez les marabouts ou bien chez les sorciers. Et ces choses-là, mes amis, ne sont pas négligées. Le diable s'appuie sur ces choses-là pour nous nuire, pour nous faire du mal. Vous voyez. Et vous devez comprendre que ces alliances-là contractées de nos parents sont en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Donc, le plus souvent, dans ta famille, les gens ne se marient pas, les gens ne réussissent pas, les gens ne travaillent pas, quoique ayant des diplômes, quoique étant intelligent, ou quand quelqu'un veut grandir, il y a des familles où quand quelqu'un veut déjà exploser, la mort le frappe, la mort précoce, la personne meurt. Ou dès que quelqu'un se marie, la personne meurt. Il y a des familles où vous allez remarquer que l'homme s'est marié 3 fois, 4 fois, 5 fois, toutes les 5 femmes sont mortes. Sa soeur s'est mariée 3 fois, 4 fois, tous les 4 maris sont morts. C'est un problème. C'est des alliances. C'est des alliances. Parfois, ça peut être des alliances parentales qui sont en train de parler contre ta vie. Donc, nous allons briser ces alliances. L'année, ça ne doit pas finir avec cette influence dans ta vie. Le cordon ombilical sera cisaillé. Je te le dis en vérité. Si tu m'écoutes ce matin, tu seras délivré. Tu es même déjà délivré dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on appelle les alliances héritées. Peut-être un jour, je reviendrai là-dessus pour que vous compreniez encore la quintessence et la perspicacité, l'importance d'en finir avec les alliances héritées. Vous voyez. Donc, il faut que nous comprenions cela. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les alliances contractées personnellement. C'est quoi une alliance contractée personnellement? C'est celle que toi-même, tu as eu à faire. Toi-même, tu t'es mis dans des problèmes. Tu t'es mis dans des situations mauvaises, dans des situations dangereuses. S'il te plaît, partage la vidéo. Parce que tout à l'heure, je vous fais des révélations dangereuses sur les alliances qui ont été faites dans vos familles. Pour que vous compreniez l'importance, je te parle d'abord. Et après, dans la part de la prophétie, du prophétique, Dieu t'aidera à découvrir beaucoup de choses que tu ne connaissais pas.
Donc, dans les alliances contractées personnellement, ce qui m'intéresse ce matin, on a les pactes de sang. Écoute-moi bien, on a les pactes de sang. Les pactes de sang, c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec une personne, pour quelque raison que ce soit, et la personne va couper son corps, s'inciser, toi aussi tu t'incises, et vous mélangez le sang. Et soit vous sucez le sang l'un de l'autre. Ou vous mêlez votre sang, ou bien chacun suce le sang de l'autre, ou bien boit, permettez-moi de dire, boit le sang l'un de l'autre. La Bible dit que boire le sang, c'est une malédiction. Celui qui boit le sang est maudit. Quiconque boit le sang est maudit, parce que la Bible enseigne que l'âme est dans le sang. Donc c'est un anathème. Donc le fait de boire seulement le sang de quelqu'un, dans une alliance de pacte de sang, tu es déjà maudit d'abord. La Bible te condamne d'abord. Ça, c'est la première chose. Donc, si quelqu'un me suit ici et qu'il a commis cette erreur dans sa vie, mon ami, ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. C'est pour cela que j'ai dit que le programme, c'est fin d'année. Et ce dimanche, je vais travailler sur ça. Je vais revenir sur les pactes et les alliances de sang. Donc, il y a des gens qui ont fait des alliances de sang. Quand tu entres dans une telle alliance, tu es fini. Et cette alliance est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs escaliers. Le premier escalier, c'est que boire du sang, déjà, c'est être sous la malédiction. Donc, premièrement, tu es maudit pour ça. Deuxièmement, l'alliance de sang, l'autre inconvénient de l'alliance de sang, c'est quoi? C'est que dans cette alliance, j'ai un contrat. Vous dites, par exemple, je donne un exemple banal. Celui qui va tromper l'autre sera maudit, ou bien un malheur lui arrivera. Si quelqu'un trompe l'autre, celui qui va tromper une autre, l'autre, un tel malheur va lui arriver. Et si donc il arrive que tu trompes la personne, tu brises les termes de cette alliance-là, automatiquement, le malheur là t'arrivera. Ça c'est clair, ce malheur t'arrivera. Et les pactes de sang, il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour le briser. Tant que le sang de Jésus n'est pas intervenu, personne ne peut te délivrer du pacte de sang. Pourquoi? Parce que, et troisièmement, le diable s'accroche à cela, parce que c'est un sacrifice. Le sang représente ta vie. C'est-à-dire que ton âme est vendue au diable. Le diable récupère ta vie. Il avait raison. Parce que tu as fait un pacte de sang. Et c'est le diable qui est témoin entre toi et la personne qui fait ce pacte. Donc le diable récupère ta vie. Et tu ne peux pas t'en sortir, mon ami. Monte, tu descends. Va à Paris. Va aux États-Unis. Va n'importe où. Tant que ce pacte n'a pas été détruit derrière toi, tu ne peux pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans nos églises. Et quand je priais sur ça, mes amis, écoutez, je suis très sérieux. Quand je priais sur ça, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de mes enfants qui sont encore dans les liens maléfiques. Et ils ne peuvent jamais réussir. Parce qu'ils ont contracté des pactes, mais ils n'ont jamais confessé ça. Laisse-moi te lire un verset biblique. Tu vas comprendre pourquoi. La confession. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des secrets dans leur cœur. Ils n'ont jamais confessé ça. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour en parler. Des pactes dangereux. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour en parler. La Bible dit ceci. Dans Actes 19, verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et Dieu m'a dit que c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des familles où les gens ont fait tellement de pactes et même si elles viennent à l'église, personne n'a jamais ouvert son cœur à Jésus pour dire au pasteur qui est homme de Dieu. Un jour, je suis allé prendre mon sang, j'ai bu le sang de quelqu'un comme ça, j'ai fait le sang comme ça. La Bible dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est le début de brisement de toute alliance satanique. Tant qu'il n'y a pas confession et déclaration, il n'y a pas délivrance. Vous devez comprendre cela. Donc, quand tu fais un pacte de sang, et Dieu m'a donc dit que les gens viennent à l'église, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que, ayant fait des pactes sataniques et diaboliques, ils n'ont jamais confessé ni déclaré cela. Et donc, ce qui n'est pas déclaré n'est pas pardonné. Il n'y a pas de délivrance sans confession et sans déclaration. Et dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, parlant de la sorcellerie, qui avaient pratiqué la magie, peut-être la franc-maçonnerie, peut-être le lesbianisme, la rose-croix, etc., ou bien le maraboutage, vous voyez, exercer des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ils ont apporté leurs livres. Donc, ceux qui avaient pratiqué des arts magiques venaient et ils confessaient. Donc, la confession est importante dans le brisement des autels qui sont bâtis à cause des pactes maléfiques. Donc, cette confession, c'est important. La déclaration de ce qui a été fait, c'est important. C'est ça.
quand tu dénonces, la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Voyez. Donc, ceux-ci venaient dénoncer. Parce que quand tu dénonces, tu es pardonné. Quand tu dénonces, ce qui était caché est dévoilé et le diable ne peut plus se cacher. Le diable agit avec ceux qui ne parlent pas. Donc voilà pourquoi tu viens à l'église, c'est vrai, ta condition n'a pas changé, c'est vrai. Mais est-ce que tu as déclaré ce que tu as fait? Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour dire ce que tu as fait? C'est important. Est-ce que tu as vu ton pasteur pour lui dire, papa, un jour, quand j'étais païen, j'ai pris mon sang, j'ai donné à un marabout a demandé mon sang, je lui ai apporté mon sang, on a demandé le sang de quelqu'un, j'ai apporté le sang de quelqu'un, tu as gardé ça, tu as fermé ta bouche. C'est aussi pour cela que ta délivrance est impossible parce que tu dois déclarer et confesser. Et s'il y a quelque chose, une autre chose, c'est que beaucoup de ceux qui ont fait des pactes et des pratiques maléfiques, qui ont bâti des hôtels sataniques quand ils ne connaissaient pas Christ, ont gardé dans leur maison ces objets jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la vérité. Or, la Bible dit que ceux-ci apportaient, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ouais. Donc ils apportaient, ils venaient avec ce qu'ils avaient fait, ce qu'on leur avait donné dans ces loges magiques-là, dans ces alliances sataniques-là, ils apportaient ça à l'église et on les brûlait et on déclarait la séparation entre eux et ces puissances maléfiques qui les tenaient encore. Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon la volonté du Père, levez-vous et allons loin d'ici. Ouais. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc la question, c'est ça. Ces gens se débarrassaient et ils confessaient leur pacte avec le diable, leurs alliances sataniques. Et puis, ils apportaient les objets qui leur avaient été donnés et on brûlait et on les séparait et ils étaient délivrés. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être délivré, mon ami. Tu peux monter, tu descends. C'est pour ça que vous voyez des belles femmes qui n'arrivent pas à se marier. Des hommes intelligents qui n'arrivent pas à réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que les gens ne déclarent pas, ne confessent pas et n'apportent pas pour dévouer par interdit les objets qui sont des hôtels physiques représentant symboles des hôtels invisibles qu'ils ont dans leur vie. Et ça, c'est très important, il faut le savoir. Donc tout à l'heure, tu vas comprendre que dans ta famille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc on a les pactes de sang. C'est important. Les pactes de sang, ça peut être par exemple des animaux que tu as amené chez Marabout. On a égorgé l'animal. On t'a dit de boire le sang. On a enlevé le cœur de l'animal. Tu as avalé. Ça, c'est des pactes de sang. Tu as égorgé un mouton, un animal ou bien le sang d'un humain. Tu as amené ça chez Marabout, mon ami. Tant que tu n'as pas confessé, déclaré cela, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. C'est la seule façon de briser cela. On prie pour toi au nom de Jésus-Christ et tu seras libéré. Donc, s'il y a des gens qui ont fait ces choses, ici en direct, tu peux faire ta confession, ta déclaration. Je veux prier avec toi, le Seigneur te délivrera dans le nom précieux souverain de Jésus. On a la consultation des marabouts qui constituent des pactes et des alliances sataniques. Si tu allais chez un marabout un jour pour poser un problème et pose la question, est-ce que j'ai déclaré cela? Est-ce que j'ai confessé cela? Ou alors, si un jour tu as été couché par un marabout, c'est-à-dire que si un marabout a couché avec toi, et ça c'est encore très dangereux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les pactes sexuels. Les pactes sexuels sont très dangereux. Et tu dois te poser la question, ma famille, les gens ne réussissent pas, pourquoi? Moi-même, je ne m'en sors pas, pourquoi? Est-ce que dans mon passé, je n'ai pas pratiqué des pactes sexuels? Par exemple, les pactes sexuels, par exemple, si tu couches avec un marabout, mon ami, il te transmet toutes les puissances maléfiques qu'il a dans sa vie. Parce qu'en fait, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les esprits de ces prostituées-là te sont transmis. C'est ce qu'on appelle les MST, les maladies spirituellement transmissibles. Donc, quand tu couches avec une personne, il y a changement de flux. Donc, il y a une sorte de changement de flux. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as couché avec un marabout, mon ami, c'est que tu es mort. Je te dis la vérité, tu es mort. Si tu as négligé ça, je te dis donc ce matin, tu es dans les problèmes sérieux. Parce que pourquoi? Parce que tous les démons, toutes les forteresses diaboliques qui font sa force sont en toi et te possèdent. Ton âme est vendue à ces divinités démoniaques. Ton âme est vendue, mon ami. Il t'a transmis toute l'énergie négative qu'il a en lui et il t'a retiré tout ce qu'il y a de positif en toi. Donc si tu as couché avec un marabout ou avec un sorcier, avec quelqu'un qui devait te traiter ou bien te soigner, tu es allé là-bas dans un village, etc. Tu as couché avec lui, mon ami, tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Ton cas est très sérieux. Tu peux être enfant de Dieu. Et depuis des années, tu n'as jamais confessé cela dans ton église. Tu n'as jamais parlé de cela à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi d'en parler aujourd'hui. Donc ce dimanche, je vais traiter des cas en direct. Donc si toi, tu as vécu quelque chose comme ça, s'il te plaît, tu écris ici en commentaire, je veux prier pour cela. Tu fais ta confession et ta déclaration et le Seigneur t'en sépare. N'entre pas en 2022 avec ces choses. Vous comprendrez donc qu'en fait,
Les sorciers, parfois, ne sont même pas à l'origine de nos problèmes. C'est plutôt les hôtels que nous avons bâtis qui nous réclament. Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, il faut te rassurer que 2022, le diable n'est rien en toi. Donc, si tu as couché avec un marabout, c'est un problème. Ou alors, si un marabout t'a lavé, c'est un problème. Vous savez que laver, c'est ôter la saleté. Mais quand un marabout te lave, ce n'est pas pour ôter la saleté parce qu'il est sale. Il ne peut pas ôter la saleté. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, mes amis. Au contraire, il te déshabille. Te déshabiller, tu sais ce que ça signifie? Hein? La Bible dit que Adam et Ève dans le jardin étaient habillés de la gloire de Dieu. Satan les a déshabillés. Oh, Satan est le père des marabouts, le père des sorciers. Quand on te déshabille, mon ami, on t'a déshabillé de la gloire de ta vie. On t'a déshabillé de ta destinée, de ta richesse, de ton mariage, de ta prospérité, de ton succès, de ton étoile. Tu es fini. Et te laver, alors ça dit, c'est laver, le reste c'est fini. Tu es foutu. Donc si un marabout t'a dit à laver, le fait qu'un marabout voit ta nudité, déjà c'est un problème. Tu es fini, tu es en danger. Ta vie. Et Dieu m'a dit que beaucoup dans nos églises n'arrivent pas à prospérer ni à décoller pour la simple raison que ces choses-là ont été faites. Ils ont fait ces choses, ils n'ont jamais parlé de ça à quelqu'un. Ils n'ont jamais confessé cela. Ils n'ont jamais demandé à leur père spirituel, papa, voici ce que j'avais pratiqué sur moi, ce qu'on avait fait sur moi. Je demande la prière. Donc, si on t'a dit à laver, c'est un problème. Maintenant, concernant des pactes sexuels, supposons que tu as couché avec tel homme, tu as couché avec telle femme, tu as couché avec telle femme, tu couches avec telle femme, tu couches avec telle femme, tu couches avec telle femme. Ah, tu as couché tellement avec des gens. Mais le problème n'est pas de coucher avec les gens. Chaque homme avec qui tu couches, ses esprits viennent en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'acte sexuel unit les gens, physiquement et spirituellement. Physiquement d'abord pourquoi? Par exemple, si tu couches avec quelqu'un qui a le VIH, c'est normal que tu aies le VIH. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel vous unit, vous devenez une seule personne. Donc la maladie de la personne devient aussi ta maladie. C'est ça qui est la vérité. Donc si tu couches avec une personne qui a la chlamydia, par exemple, tu auras aussi la chlamydia. C'est-à-dire que tu partageras cette chlamydia avec elle. Pourquoi? Parce que c'est un pacte sexuel, on appelle ça les pactes sexuels. Donc, lorsque tu couches avec les gens, à gauche, à droite, sache que tu remplis aussi, tu ramasses leurs esprits. C'est-à-dire que si la personne, dans sa famille par exemple, les gens ne se mariaient pas, automatiquement toi aussi, cette même maladie spirituelle, n'oublie pas qu'on appelle ça les MST, maladie spirituellement transmissible. Donc, ce célibat va aussi entrer dans ta vie. Vous allez donc remarquer que pour ceux qui ont connu une vie de débauche à un certain niveau, leur vie est bloquée. Et tu ne peux pas t'en sortir. Parce que parmi les gens avec qui tu as couché, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des magiciens, il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Et il y a des gens qui sont des agents du diable, qui cherchent à coucher avec des hommes ou avec des femmes pour voler leurs étoiles. Il y a tellement de charges négatives que tu portes dans chaque acte sexuel. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul explique que si un enfant de Dieu épouse un païen, c'est un exemple, si un enfant de Dieu épouse un païen, tous leurs enfants seront saints. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu est sanctifié, le sang de Jésus en lui, le païen est souillé. Mais le sang de Christ est plus fort que le sang que la vie de péché de ce païen. Automatiquement, parce que l'enfant de Dieu est pur, son mari, l'enfant qui soit est pur. Est-ce que vous comprenez? Donc l'acte sexuel, c'est un partage. Quand tu couches avec quelqu'un, toutes ces maladies physiques, sexuellement transmissible, et toutes ces maladies spirituelles, spirituellement transmissibles, vont entrer en toi. Donc si tu te maries avec quelqu'un dont la vie est bloquée, ta vie sera aussi bloquée. Si tu te maries avec quelqu'un dont il te dit qu'il ne sortira jamais du Cameroun, même si tu faisais le dossier n'importe comment, on voulait même te donner le visa, après cet acte sexuel-là, mon ami, tu ne sortiras plus. On va te refuser le visa. Donc c'est ce qu'on appelle les pactes sexuels. Pose-toi donc la question, est-ce que ma vie passée est propre? Est-ce que ma vie passée est propre? Est-ce que ma vie passée, j'ai couché avec quel genre de personne? Nous avons reçu le témoignage d'un bien-aimé à Yaoundé qui nous a expliqué quelque chose. Hein? Il a dit quelque chose. Il a dit que quand il couche avec une femme, lui, il est roi dans son monde. Et je demande à l'équipe de la télévision de me retrouver ce témoignage immédiatement. Je veux ça dimanche. Dimanche, je vais utiliser ça au culte de dimanche. Il dit qu'il est roi dans son monde ténèbre. C'est un sorcier. Et lui, il a couché avec les femmes innombrables. Il a couché avec des femmes innombrables. Et il dit que quand il couche avec une femme, il prend avec sa langue là, la partie intime de la femme. Il prend ça avec sa langue. Il prend le liquide de la partie intime de la femme avec sa langue. Et il n'avale pas, il crache ça, il garde ça, il va. Et c'est avec ça qu'on travaille. On vole l'étoile de cette femme et la femme meurt. Elle tombe malade et elle meurt. Ou sa vie est foutue. Donc vous qui vivez dans le désordre sexuel, ressaisissez-vous mes amis.
Après, n'accuse pas le diable ou bien les sorciers. C'est ton désordre sexuel. Chaque homme avec qui tu as couché, chaque femme avec qui tu as couché, tu es entré dans une alliance sexuelle, dans un pacte sexuel avec la personne, que tu le veuilles ou pas. Donc, ce sont ces conséquences qui retombent donc sur nous. Donc, quand tu vois toute ta famille, les gens sont bloqués, les gens ne se marient pas, personne ne brille. Pose-toi la question que chacun de vit comment. Quand vous voyez là, bonjour tata, bonjour tantine, bonjour tonton, bonjour mon frère, bonjour grand soeur, bonjour petite soeur, tu ne sais pas ce que ta petite soeur fait. Tu ne vois pas les marches de ta mère, tu ne vois pas les marches de ton père, tu ne sais pas ce que ta cousine fait. Peut-être si elle te raconte les choses qu'elle a faites dans sa vie, mon ami, tu vas tomber de nu. Donc ces alliances sexuelles-là sont à l'origine de beaucoup de destructions dans nos vies. Donc c'est ça qu'on appelle les alliances ou les pactes sexuels. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'idolâtrie et l'adoration des créatures et non du créateur. De ceci, dans ton village, tu pars, tu adores les crânes, tu adores l'arbre, tu te prosternes devant les cailloux. On adore les crânes, tu adores aussi les crânes. Ces choses-là, ce sont des alliances. Ce sont des alliances qui vont influencer ta vie plus tard. Et Satan va s'appuyer sur ça pour bloquer ta vie. Donc, ça en résumé, c'est ce que je voulais te dire. Donc, bien aimé, avant de te plaindre que les sorciers sont montés, les sorciers sont descendus, pose-toi d'abord la question de savoir, est-ce que je n'ai pas contracté une alliance moi-même avec Satan? Est-ce que dans ma vie passée, il n'y a pas un acte que j'ai posé sur lequel le diable s'appuie pour me faire du mal aujourd'hui? Et il faut que je déclare cela. Si je déclare, je serai délivré. Oh Seigneur, laissez-moi prier déjà maintenant. Nous allons entrer dans la deuxième phase, celle de la prière, la prophétie. Si vous avez fait une de ces choses, je prie que Dieu vous pardonne. Et quand tu demandes pardon ce matin, ne retourne plus dans tes vomissures. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui vivent d'adultère en adultère, d'adultère en adultère. Tu n'es pas fatigué, mon frère? Tu n'es pas fatigué? Tu es dans l'église, ta vie va changer comment? Et tu pleures tous les jours, ma vie ne donne pas. Tu viens à l'église, tu n'as pas arrêté ta vie passée. Tu es tous les jours dans les alliances sexuelles. Ta vie va changer comment? Ce n'est pas possible. Tu n'es pas prêt. Celui qui est prêt pour le changement, change de cas. Il prend une décision définitive, il ne retourne plus dans ses vomissures. Donc c'est ça la réalité. Il faut mettre l'ordre dans ta vie avant 2022. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc il ne peut pas avoir autorité sur moi. Satan n'a pas d'influence sur la vie d'une personne qui a confessé, déclaré les œuvres du diable et s'en est séparé. Le diable n'a pas d'autorité dans la vie d'une personne. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Tous ceux qui ont contracté des alliances sataniques, des pactes diaboliques, s'il te plaît, touche ton écran. Dieu va te délivrer. Il y a des gens qui vont tomber, hein. Donc, regarde bien autour de toi avant que je commence cette prière-ci. Il y a des gens que l'onction va toucher. Toutes les malédictions, les conséquences qui étaient venues à cause de ces pactes-là, les maladies, tout ça va partir. S'il y a une maladie dans ton corps qui est due à un pacte sexuel, par exemple, parce que dans ta vie de désordre, tu as eu le sida, tu as eu, je ne sais pas, n'importe quel genre de maladie, le cancer, je ne sais pas trop quoi, le Seigneur va te délivrer ce matin. Si tu crois en ça, tu dis Amen. Le Seigneur va te délivrer. Donc, quel que soit le démon qui retenait ta vie, tu confesses tout simplement, tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai couché avec mon marabout, avec le marabout m'a lavé, ou je ne sais pas quoi, j'ai pratiqué la sorcellerie, tu écris ça en commentaire, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, parce que c'est comme si j'étais en face de toi. Voilà, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Donc tu le confesses là tout simplement, et je prie, et le Seigneur te délivre, et à partir d'aujourd'hui, ne pense plus à cela, et reçois le pardon de Dieu dans ton cœur, avec foi. Et ne sois pas Dieu envers toi-même, laisse Jésus-Christ te guérir. Père, je prie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Pour tous mes bien-aimés qui m'écoutent en direct, qui ont contracté des alliances de sang, des alliances sexuelles, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, qui sont entrés chez des marabouts, qui ont pris des objets consacrés à Satan et qui les ont amenés dans leur maison ou les ont consommés en les faisant entrer dans leur vie. Père, j'ordonne que ces pactes soient brisés. Seigneur, comme nous confessons nos péchés, nous prions que tu nous pardonnes. Seigneur, que ton sang précieux nous lave. Que ton sang nous délivre, que ton sang nous libère, nous guérisse dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui me regarde, qui a eu à faire l'une de ces choses, ou même celle que je n'ai pas pu citer, Seigneur, au nom de Jésus, que ton pardon entre dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, que ton sang précieux se manifeste avec puissance pour apporter la délivrance. Je brise les pactes et les alliances de sang, les alliances diaboliques, les alliances sataniques, je les brise au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, j'ordonne que les chaînes soient brisées, que les conséquences soient effacées,
Que les influences, que ces choses ont apporté, les malédictions qui ont été infiltrées dans nos vies, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je brise de dessus ton peuple le joug de la servitude à Satan à cause des pactes et des alliances diaboliques. Père, quiconque me regarde ce matin reçoit une délivrance immédiate dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Père, merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que tu as pardonné notre péché. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Seigneur, dans l'ignorance, nous avons fait tellement de choses. Ce matin, nous nous en repentons, nous te demandons pardon. Seigneur, délivre-nous et sauve-nous. Merci parce que ta miséricorde nous sauve de notre misère. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen et tu es délivré. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon. Ô Seigneur, nous recevons par la foi ton pardon et nous sommes bénis, nous sommes graciés, nous sommes gratifiés. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons passer à la page de la prophétie. Connectons-nous, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Partage cette vidéo au maximum. Nous allons entrer dans la page prophétique maintenant. Ok, je veux quelqu'un qui dit, Seigneur, parle-moi ce matin. Tu dis simplement, je veux la prophétie, prophète. Je veux la prophétie, tout simplement. Je veux la prophétie. Saint-Esprit, je prie pour mes bien-aimés, je prie pour chacun au nom souverain de Jésus. Je prie que tu manifestes ta grâce et ta gloire dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Père, toute personne connectée ce matin qui attend que tu lui parles, je prie que la révélation de la parole prophétique lui soit donnée. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Je veux parler à Malassima. Je vois Malassima Tchazim. Malassima Tchazim. Écoutez, bien-aimé, je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Voici 2022 qui est en train d'arriver. Le Seigneur me demande de te parler, de vous parler. Malassima, Malassima Tchazim. Vous savez, lorsque vous regardez la vie de votre père, il y a quelque chose qui s'est passé avec votre papa. Il y a un autel familial dans votre vie qui doit être brisé ce matin. Votre papa, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Mais qui cependant, dans sa vie, n'a pas hérité de bénédictions qui lui étaient réservées. Et vous trouverez que votre père s'est battu. Il s'est battu. Mais la vie a été ingrate envers votre père. Et c'est la même chose qui est dans votre vie aujourd'hui. Vous ne vous en sortez pas. Dans tout ce que vous faites, c'est un combat. Ce que les gens ont gratuitement, vous l'avez difficilement. Et même lorsque vous l'avez, c'est en miettes que vous l'avez. Le Seigneur me dit de vous dire que 2022, tournez votre cœur vers lui. Le Seigneur veut vous visiter. Le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous restaurer. Et l'année 2022 sera une année différente si du moins vous mettez votre espérance en l'Éternel, votre Dieu. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la main de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Vous êtes un homme de Dieu. Quand je vois un homme de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Je parlais à Karine, David, Gloria. Et écoutez-moi bien. Toutes les prophéties que je donne sont les prophéties de délivrance et de restauration. Hein? Je parlais de Karine, David, Gloria. Elle dit, papa, je veux ma prophétie. Voilà. Seigneur, merci pour Karine. Merci pour notre sœur. Merci, Seigneur, pour ta parole dans sa vie. Karine, écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, votre problème, un, c'est de servir Dieu. Ce que vous avez demandé à Dieu en cette fin d'année, c'est de l'aimer. Vous avez dit, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur. Et l'autre chose, c'est le mariage. Seigneur, je veux me marier. Et laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai vu avec un jeune homme dans votre passé qu'on appelait Christian. Karine, elle peut écrire en commentaire pour confirmer la prophétie. Avec Christian, et ça, c'est un jeune homme que vous aviez beaucoup aimé. Et qui vous avait aussi beaucoup aimé. Mais le nœud a été brisé. Ça veut dire que le diable vous a volé cet amour de votre vie. Et la vérité, c'est que si vous étiez avec lui, aujourd'hui, vous seriez une femme heureuse. Mais il y a quelque chose de bon pour vous. Le Seigneur veut quelque chose pour vous pour l'année 2022. Le Seigneur me dit que l'engagement que vous avez pris d'être différente et de retourner au Seigneur Jésus-Christ est un bon engagement. Et si vous continuez dans cet engagement, si vous êtes fidèle, le Seigneur vous bénira dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Noé de Jésus. Papa, je veux ma prophétie. Seigneur, merci pour Noé, merci pour une parole dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, Noé, la parole de l'Éternel m'est adressée pour vous, pour votre avenir. Parce que vous voulez connaître votre avenir. Avant de vous demander à Dieu, quel est mon avenir?
l'avenir sur le plan de la carrière, l'avenir sur le plan sentimental, qui sera la femme de ma vie, et l'avenir sur le plan spirituel. Déjà, premièrement, laissez-moi vous expliquer que la main de Dieu est puissante dans vous. Et ça, vous pouvez le confirmer, vous pouvez le dire, sincèrement. Parce qu'il y a des révélations que Dieu vous donne. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, il y a une inspiration, une facilité à comprendre les Saintes Écritures. Ça, c'est un don d'enseignement que le Seigneur vous a donné. Vous êtes un homme de Dieu, ça c'est clair. Et puis, il faut dire que ce que j'ai vu dans votre avenir, c'est... J'ai vu un grand ingénieur, j'ai vu un très grand ingénieur, mais en même temps serviteur de Dieu. Donc, n'abandonnez pas vos études pour dire que je vais servir juste le Seigneur. Non. Servez Dieu en étant un ingénieur de réforme, qui va apporter la réforme dans le domaine de l'ingénierie. Donc, le Seigneur vous utilisera comme quelqu'un, c'est-à-dire que parmi les savants au Cameroun et dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Prenez ça très au sérieux. Donc, ne jouez pas avec vos études. Continuez avec les études. Soyez un grand ingénieur et vous serez un serviteur de Dieu, en même temps un ambassadeur de Christ, mais dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères. Si vous êtes fidèle au Seigneur, et vous pouvez le confirmer, je vous ai vu désirer travailler dans des structures comme la NASA. Comme la NASA. Et j'ai vu quelque chose écrit comme NASA. J'ai vu le logo de la NASA. Et le Seigneur va le faire si vous êtes fidèle à sa parole, dans le nom précieux souverain de Jésus. En ce qui concerne votre vie sentimentale, il y a une prophétie qui est dans votre esprit. Puisse le Seigneur se souvenir de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jordan Chua. Papa, je veux la prophétie. Merci. Donc maintenant, Jordan Chua, vous devez savoir une chose. Vous devez comprendre une chose. C'est que si je vois ton nom et qu'il n'y a pas... Je prie contre les hôtels maléfiques. Jordan Chua, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous raconter une histoire. Lorsque vous étiez jeune, il y avait un stade à côté de votre maison, un petit terrain, ce n'était pas un stade en tant que tel, un petit terrain de football où vous alliez souvent jouer au football. Et dans ce terrain où vous jouez au football, vous avez un ami avec qui vous jouez qu'on appelait Armand. On aimait l'appeler Armando, mais son nom, son prénom c'était Armand. Vous avez joué au football avec ce jeune homme dans votre enfance. Un jour vous êtes allé jouer, je vois encore ce stade-là, avec les goals qui étaient comme des morceaux de bois. C'est-à-dire que trois bois, on met deux comme deux piquets de bois, et on passait l'autre comme ça. Et vous jouez. Un côté, il n'y avait même plus de piquets, c'était renversé. Et vous jouez, vous avez des vieilles tennis blanches. Et un jour, vous êtes allé jouer, vous êtes rentré avec une seule tennis, parce que l'autre tennis était perdu. Et le Seigneur me dit de vous dire que c'est une pratique de sorcellerie. S'il te plaît, partage la vidéo à ton enfant, à ton ami, dans tes groupes, fais-le maintenant. Et Dieu te donne la double portion de la grâce prophétique immédiatement. J'ai besoin d'avoir 400 vues au moins cumulées ce matin. Nous sommes à 406 vues. Que Dieu te bénisse. Tu reçois ta délivrance immédiatement au nom de Jésus. Donc ce Armand a pris votre tennis pour aller pratiquer la sorcellerie avec. Pourquoi? Parce que dans la destinée que Dieu avait pour vous, vous seriez un grand footballeur. Mais le diable a détruit cette destinée aujourd'hui. Et vous êtes en train de tourner en rond. Et alors je vous vois tourner vers le service de Dieu, vers le ministère. Le Seigneur vous donnera une orientation dans l'année 2022. Faites confiance au Seigneur. Vous ne serez point dans la confusion. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nafisatu, my prophet, come on, parle-nous. Voilà, Nafisatu, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler à Nafisatu? Nafisatu, vous vous souvenez de Bernadette? Bernadette, c'était une camarade de classe. Et je vous ai vu ensemble avec une femme qu'on appelle Bernadette. Seigneur, oh! Demain, il faut que j'ai le retour ici pour que les gens parlent avec moi. J'ai vu une femme, Bernadette, avec qui vous étiez. C'est comme une camarade de classe avec qui vous avez fréquenté. Oh, la jalousie. Vous êtes entouré de personnes jalouses, Nafisatu. Vous êtes entouré de personnes jalouses. Donc, méfiez-vous. 2022, vous avez pris vous-même des résolutions cette année. Vous avez dit qu'en 2022, je vais être différent. Je fais attention aux relations. Et c'est une bonne décision que vous avez prise. Ne revenez pas en arrière. Que le Seigneur vous donne une orientation. Et sur le plan sentimental, le Seigneur vous donnera quelque chose de spectaculaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de traverser un moment difficile. C'est-à-dire que vous avez perdu confiance en vous-même. La déception. C'est-à-dire que vous ne comprenez plus l'homme c'est quoi. L'Éternel restaure votre vie sentimentale. Si vous croyez que je suis un prophète, le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Papa, moi c'est Denis Michel. Prophétisez pour moi. Je veux travailler à la BEAC. Priez pour moi. Père, merci pour Denise. Roussel. D'accord, vous avez le désir de travailler à la BEAC. Mais ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Seigneur, merci. Ça sera très compliqué.
Denis, ça sera très compliqué. Mais il y a une autre orientation pour vous. Il y a une autre orientation. Il y a une aide de destinée que Dieu est en train de réserver pour vous pour l'année 2012. Laisse-moi parler de l'année 2012. Donc, Denis Roussel, mettez votre confiance au Seigneur. Ne dites pas simplement, je vais travailler à la BEAC. Mais demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est où tu veux que je sois? C'est important. Demandez à Dieu, est-ce que c'est où tu veux que je sois? Parce que ce que je vois, ce n'est pas la BEAC. Mais je vois quelqu'un que vous avez connu. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Qui est une aide de destinée. Que vous avez perdu de vue. Et qui est en train de revenir. Et qui refera surface au courant de l'année 2022. Et j'ai vu la personne avec des documents vous demandant de faire des dossiers pour déposer dans une autre structure. Mais je ne vois pas la BEAC. Et Dieu vous rendra plus heureuse là-bas. Et si vous êtes fidèle au commandement de l'Éternel, votre Dieu, le Seigneur vous aidera. Et cette personne s'appelle M. Philippe. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Et ce M. Philippe, je l'ai vu encore. Vous l'avez perdu de vue, ça fait longtemps. Et le Seigneur le remettra devant vous pour être une aide de destinée. Il y a des gens devant nos vies que Dieu met pour nous aider. Comme des échelles, à gravir des échelons. Que Dieu vous bénisse pour cette année. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur bénit le fruit de vos entrailles. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. On a Vincent Ndamjoya. Ndamjoya. Papa, localise-moi par la prophétie. D'accord. Vincent, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Votre famille, il y a... Alors je parle, Vincent, s'il vous plaît, confirmez les prophéties par message. Alors je parle, Vincent, votre vie a des sérieux problèmes. Pourquoi? À cause des pratiques, des pratiques qui ont été faites dans votre famille. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire de votre famille, Vincent, vous trouverez que votre famille a des sérieux problèmes. Vincent, écoutez-moi bien. Vous avez une tante qu'on appelait Adama, parce que je ne la vois plus. Vous avez une tante qu'on appelait Adama. Et cette tante dans votre famille, c'était une femme. Seigneur, merci. Waouh. Est-ce que Vincent peut confirmer cette prophétie? Vous avez une tante qu'on appelait Adama et qui est morte. Elle est morte. Je parle du côté de Fumban. Et votre tante, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aller chez les marabouts. Et la recherche de la gloire a fait que cette femme soit capable de vendre la destinée de toute la famille. Parce qu'elle est allée chez un marabout qu'on appelait Adamou, qui est aussi mort depuis longtemps, qu'on appelait Aladi Adamou. Aladi Adamou. Et cet Aladi Adamou a demandé à votre tante, Adama, est-ce que tu es prête? Tu te demandais d'aligner toute ta famille, est-ce que tu es prête pour recevoir la gloire? Elle a dit oui. Et Adama était une grande femme, c'est une femme qui était grandement riche. Et cette femme apportait tellement de malheur dans votre famille qu'il y a eu un de vos oncles qui était comme l'une des premières victimes, qui est aussi mort, qui a eu... de tous les problèmes de santé du monde qu'on appelait Alassa. Alassa. Vous pouvez appeler Alassa. 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 Alassa Ndam. Alassa Ndam. Alors, demandez à votre famille, si vous le connaissez, confirmez la prophétie. Cet Alassa Ndam était comme un hôtel qui a été utilisé par votre tante Adama. Oh, Samata Mina Olaï. Raina. Écoutez. Vincent Ndamjoya, Raina. Dites-moi qui est Raina. J'ai vu une femme avec vos sous-vêtements. Et j'ai vu son nom, Raina. Je prie pour Vincent, qu'il soit délivré, qu'il soit guéri dans le nom précieux et souverain de Jésus et que sa destinée soit libérée maintenant. Qu'il reçoive une libération complète, Seigneur. Tous les hôtels qui ont été bâtis par sa tante Adama, au nom puissant de Jésus, je brise. L'influence de ces hôtels, c'est fini. Cet hôtel est consumé dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. On a qui encore? Félix Franc et Dima, papa, je veux la prophétie. Félix, le Seigneur me dit de vous dire qu'il veut vous bénir. Sur le plan sentimental, vous n'avez pas mené une très bonne vie. Vous n'avez pas eu de belles expériences dans votre vie sentimentale. Il y a eu beaucoup de choses... des erreurs que vous avez eu à commettre. Et vous, vous écoutez, j'ai parlé des hôtels sexuels, des alliances sexuelles. Il y a eu des personnes mauvaises que vous avez eu à croiser. Ah, je vous ai vu dans le passé avec une jeune fille qu'on appelait Élise. Et je vous ai vu avoir des rapports sexuels avec cette femme, dans votre jeunesse. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de vous suivre. Parce qu'il y a des esprits qui crient encore derrière votre vie. Lorsque vous commencez quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et lorsque ça a l'air de fonctionner, après cela, l'espoir s'émousse. Pourquoi? À cause
de cette alliance sexuelle dans votre vie. Je prie que Dieu pardonne ce péché avec cette Élise. Hein, quand vous êtes encore dans votre tendre enfance, Seigneur, merci parce que tu pardonnes et cet autel est brisé. Seigneur, que mon frère reçoive la délivrance, qu'il soit libéré aujourd'hui et affranchi. Vous voyez, lorsqu'il y a un autel maléfique dans ta vie, il y a une alliance que tu as fait sans savoir même que ça, j'ai couché avec une sorcière. Comment est-ce que tu vas orienter tes prières si ce n'est pas qu'il y a un service prophétique comme celui-ci où Dieu te révèle cela rapidement? Donc ça, c'est des orientations prophétiques que je vous donne. Ceux qui attendent la prophétie en live, dimanche 7h30, nous allons venir. On va dévoiler les œuvres du diable. Donc, l'annexe qui est en train de venir, le Seigneur veut vous bénir. Jordan, tu vois, papa, mes affaires ne marchent pas. Seigneur, je prie pour les affaires de Jordan. Que 2022 soit une année de délivrance, de visitation divine pour la vie de Jordan. Alors Jordan, écoutez, vous savez, vous avez perdu confiance en vous-même. Vous avez perdu confiance en vous parce que vous ne mettez pas votre confiance en Dieu. Souvenez-vous du rêve que Dieu vous avait montré. Souvenez-vous de la vision que vous avez eue. Une vision forte où le Seigneur vous révélait les choses qui allaient arriver. La grande destinée qu'il a pour vous. Mais pourquoi vous vous découragez? Mettez votre confiance en l'Éternel. Et Jordan, je vous ai vu avec un ami qu'on appelle Francis. Francis Noah. Noah Francis. Noah Francis. S'il vous plaît, séparez-vous de ces personnes. Il y a des gens qui portent des malédictions en elles. Quand vous êtes en contact avec ces personnes, leurs malédictions vous influencent. Donc, Francis, je pense que Francis, je parle de Francis, n'est-ce pas? Francis Noah. C'est quelqu'un qui n'est pas bon. C'est quelqu'un qui a des charges maléfiques. Et sa présence influence votre vie. Donc, séparez-vous de Francis, dit l'Éternel, et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie en 2022. Comme j'ai prié, les portes fermées sont ouvertes dans votre vie au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Je vais rapidement, pour que... Voilà, Jordan, tu vois, est en train... Voilà, il est en train de confirmer. Papa, c'est mon frère, Lionel, tu vois, qui jouait le football dans son enfance. D'accord, ça c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure au nom souverain de Jésus-Christ. On a Simon Falama. Simon Falama. Oh mon Dieu, Seigneur, merci pour Simon Falama. Simon Falama, je vous ai vu avec une femme, une jeune femme qui a détruit votre vie. Vous êtes en train de pleurer. C'est-à-dire que votre vie, c'est une ruine. Parce que quand j'ai lu Simon Falama, j'ai vu une maison détruite. J'ai vu une maison détruite. J'ai vu une maison renversée. Le Seigneur me dit qu'il veut vous restaurer. Au nom de Jésus. Père, je parle dans sa vie. Il a dit que je parle dans sa vie. Simon Falama, c'est qui Edith? Parlez-moi en commentaire d'Edith, s'il vous plaît. Père, merci. Seigneur, tout ce que cette femme a fait dans sa vie, Seigneur, j'anéantis cela. Et je prophétise que la vie de Simon est rebâtie. Parce que votre vie, c'est une vieille maison détruite. Cette maison est embellie, elle est enjolivée, elle devient enjolante. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Juste cette parole. Relève votre vie, Simon, et 2022 sera une année différente dans votre vie. Au nom de Jésus, tout malade reçoit la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, tout malade reçoit la guérison au nom souverain de Jésus-Christ. Christelle dit, ma prophétie au papa, Christelle dit, écoutez, vous avez besoin de restauration spirituelle et sentimentale. Alors je parle, laissons les finances de côté. Parce que sur le plan sentimental, c'est la joie, la tristesse, les hauts et les bas. C'est besoin de stabilisation. Dans la maison de votre mère, de votre père, vous avez l'espoir. Écoutez-moi bien. Dieu vous a choisi comme l'étoile de votre famille, mais le diable vous combat toujours. Rien ne marche. Sur le plan sentimental, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, aujourd'hui c'est le bonheur, demain c'est le malheur, aujourd'hui c'est la joie, demain c'est la tristesse. Je prie que Dieu stabilise votre vie sentimentale. Et sur le plan spirituel, réconciliez-vous profondément avec Jésus. Laissez l'amertume. Sortez l'amertume de votre cœur. Pardonnez. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons autour de vous. Et ça vous a rendu amer, ça vous a rendu aigri, ça vous a aigri. Pardonnez. Le Seigneur vous dit de pardonner. Libérez-vous. Libérez les captifs de votre cœur. 2022 sera une année où vos ennemis reviendront vous demander pardon, face à face. Si je suis un prophète, cette prophétie s'accomplira avant le 31 décembre 2022 dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Anne-Marie Maniglier, une orientation prophétique d'Adi. Seigneur, merci pour Anne-Marie Maniglier. Anne, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que le prénom Marie que vous l'avez emprunté. Ça veut dire qu'on vous l'a donné. J'ai vu une de vos parentes qui avait, qu'on appelle aussi Marie, et on a donné son nom à vous. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous avez posé la question de savoir pourquoi ma vie. Ça va, je vous ai vu voyager dans tous les cas. Je vous ai vu voyager.
D'accord? Joseph vit voyager. Joseph vit avec des histoires d'amour. Quand je parle d'histoire d'amour, je parle avec un noir, avec un blanc. Je vis des histoires d'amour. Mais après, avec des blessures dans le cœur, etc. Vous êtes dépassé, vous êtes déboussolé, vous êtes à la croisée des chemins. Laissez-moi vous dire une chose simple. Peut-être que vous n'avez jamais imaginé. Le nom Marie qu'on vous a donné, qui vient de votre parente, qu'on appelait Marie. Regardez à la vie de votre parente et qu'on vous dise la vie de votre parente, le début et la fin de votre parente, ce n'était pas bien. Dans votre village. Et si vous m'écoutez, le Seigneur vous délivre dans le nom précieux et souverain de Jésus de l'influence maléfique de votre prénom, Marie. Que la malédiction de maman Marie qui vous a poursuivi et que vous ne saviez pas soit brisée de votre vie aujourd'hui dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu la restaures au nom souverain de Jésus. Pendant que je vous parlais, j'ai vu quelque chose comme Christ. J'ai entendu quelque chose comme Christ. Christ, je ne sais pas si Christian, le diminutif Christian, Christ, que le Seigneur, c'est comme une source d'eau. Et c'est une source d'eau sur le plan symbolique, prophétique. Ça représente quelqu'un qui est bien, qui est une bénédiction pour vous. J'ai vu comme Christ, Christ, Christian, Christ. Que Dieu vous bénisse. Anne-Marie, mettez votre confiance en l'Éternel. Et je vous ai vu avec une de vos sœurs qu'on appelle aussi Marie. Une sœur à vous. J'ai vu une femme proche de vous qu'on appelle aussi Marie. Et dites-lui que le Seigneur la bénira. Et dites-lui que j'ai dit qu'elle sera bénie avec son amie. Elle a aussi une amie qu'on appelle Fanta. Dites-lui que son amie Fanta aussi sera bénie. Donc vous êtes trois. Marie, Marie et Fanta. Le Seigneur vous bénira et vous apportera une grande consolation en cette année 2022. Si vous vous attachez au Seigneur, il le fera. S'il vous plaît, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Eliane Véron Mbala. Papa, je veux la prophétie. Père, merci pour Eliane. Eliane, écoutez, votre vie sentimentale est une ruine. Je vous vois pleurer. Vous pouvez le dire en commentaire. Je vous ai vu avec quelqu'un et votre vie a été détruite. Une relation pour laquelle vous comptiez beaucoup et qui a brisé votre cœur. Maintenant, je ne vous vois pas seul vraiment. Je ne vous vois pas seul. Je vois quelqu'un tourner autour de vous. Mais il y a une relation qui était la principale de votre vie. Est-ce que Dieu peut vous restaurer, Eliane Véron Mbala? Est-ce que Dieu peut vous restaurer? Regardez votre famille. Regardez la misère. Regardez combien le diable tient les gens liés dans votre famille. Et si vous croyez qu'en priant avec moi ce matin, le Seigneur peut faire que les étoiles commencent à briller dans votre famille? Oh oui, moi je crois. Et ce Eliane, Véron, croit en cela. Seigneur, merci. Ah, d'accord. Lorsque vous étiez à l'école, vous avez une amie qu'on appelait Véron, votre homonyme. Qu'on appelait Véron. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai vu une banque, un compte bancaire spirituel. Et cette Véron était une fille de bien, une fille qui craignait le Seigneur et qui a beaucoup prié pour vous. Et ces prières, vous n'avez pas pu toucher ni jouir de la banque. Du compte bancaire spirituel qu'elle a réservé pour vous par ses prières à cause de malédiction parentale. Aujourd'hui, au nom souverain de Jésus, je libère votre compte bancaire spirituel et que 2022 soit une année où la frustration s'arrête dans votre vie. Ne vous découragez plus. Prenez courage, le Seigneur est votre Dieu. Dieu me dit de vous dire parfois, vous dites, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Et c'est le Seigneur même. C'est le Seigneur même. Pourquoi est-ce que je vis telle chose? Non, le Seigneur vous aime, Eliane. Il est avec vous. Souvenez-vous, il vous aime. Il y a tellement de choses qui ont été faites contre vous. À l'époque, vous aviez une coiffeuse à vous qu'on appelle aussi Eliane. C'était comme un salon, petit salon de coiffure. Vous alliez vous faire coiffer. Laissez-moi vous donner une révélation. Et si vous savez, c'est vrai que j'avais remarqué qu'un temps que vos cheveux étaient coupés. Et si vous savez que cette Eliane-là, la coiffeuse, prenait vos cheveux pour aller faire des incantations, mais le Seigneur vous a préservé. Vous savez, parfois, les combats invisibles que Dieu mène pour nous sont plus nombreux que les combats visibles. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est de loin plus grand que ce que nous connaissons. Parfois, nous ne connaissons même rien de ce que des combats invisibles que Dieu mène pour nous. Eliane, Dieu vous restaure et Dieu vous rétablira dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année. Pour moi, c'est important que tu aies une orientation prophétique, un conseil prophétique. Viens consulter l'Éternel, ton Dieu. Passe l'annonce. En cette fin d'année, tous mes programmes, c'est des consultations prophétiques. L'Éternel te donne une orientation et tu connais la vraie source de ton problème. Demain, rendez-vous à partir de 10h. Connectons-nous très massivement. Partageons cette annonce. Demain, nous devons atteindre au moins 600 personnes en direct. Connectées en direct pour recevoir une parole prophétique. L'Éternel te donnera une révélation qui va te guider.
David a dit, ta parole est une lampe sur mon chemin. Donc, mais si c'est un seul mot, ce mot apportera une lueur d'espoir et de délivrance dans ta vie, au nom précieux souverain de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, que Dieu te visite. Père, je commande que quelle que soit la maladie et la malédiction, soit brisée, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, je commande la délivrance dans le monde entier. Tous ceux qui me regardent, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient visités, qu'ils reçoivent leur délivrance maintenant, que les malades soient guéris. Seigneur, ceux qui traversent un moment compliqué, sors-les du danger et qu'ils soient bénis. Que ta journée soit bénie. Au nom précieux de Jésus, avant le coucher de ce soleil, un miracle extraordinaire va se manifester dans ta vie, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tu dis Amen trois fois et c'est scellé au nom précieux de Jésus. Hier, on a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de guérison en direct, de délivrance et de restauration. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, 10h. Partageons la vidéo. Même ceux qui suivent après, partageons la vidéo et le Seigneur nous bénira au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.